Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. Mais avant de parler de Ronaldo qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo va quitter la Juventus de Turin durant le mercato estival. Annoncé dans les plans du PSG, la star portugaise ne voit pas d'un mauvais œil une arrivée en Ligue 1. Leonardo s'apprête même à accélérer son recrutement. Ce jeudi, le journal espagnol AS a révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a contacté l'entourage de Ronaldo pour connaître les intentions du joueur. Ce vendredi, le célèbre journaliste italien Nicolas Quira a confirmé l'information. Pour le spécialiste Mercato de Sky Sport, le nouveau coach de la Juve, Massimiliano Allegri, ne veut pas de Ronaldo et l'a fait savoir à sa direction. À 36 ans, le quintuple Ballon d'Or pourrait donc rejoindre le PSG ou Manchester United dans les prochaines semaines. Federico Cherubini, le directeur sportif turinois, a confirmé que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été. S'il y a une bonne offre qui arrive, Manchester United et le PSG sont toujours intéressés par CR7, explique Nicolas Quira. Une autre confirmation vient encore de l'Italie avec une petite bombe en plus. Cristiano Ronaldo a donné son accord pour une arrivée au Paris Saint-Germain qui prépare son offre pour tenter de trouver un terrain d'entente avec la direction de la Juventus Turin. Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 117 millions d'euros, CR7 a peut-être disputé sa dernière saison avec la vieille dame. Pas dans les plans de Massimiliano Allegri qui veut reconstruire le club avec des joueurs prometteurs. L'international portugais est sur le marché des transferts. Pour le libérer de sa dernière année de contrat, le club italien réclame une enveloppe comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Un montant largement dans les codes des finances parisiennes et le quotidien transalpin La Stampa assure que Leonardo prépare déjà son offre pour tenter de boucler au plus vite ce transfert avec les Bianconeri. Toujours selon la même source, le PSG veut inclure Mauro Icardi dans l'opération pour augmenter ses chances d'accrocher rapidement un accord. Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, étant intéressé par le profil de l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain. Voici en tout cas les gars pour cette petite vidéo Mercato sur le PSG, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Je compte sur toi frérot, j'ai envie de te dire à la prochaine, salut.